Jean-Marie Perrier a posté une nouvelle photo sur son compte Instagram ce lundi 12 décembre 2022. Le célèbre photographe partage un cliché inédit d'Ophélie Winter, en profitant au passage pour saluer le courage de la chanteuse, victime de nombreuses critiques. Ophélie Winter a fait danser et chanter la France entière pendant de longues années avec ses titres désormais cultes comme Dieu m'a donné la foi, ou encore Shame on you. Une carrière qu'elle a menée d'une main de maître durant les années 1990, mais qui a malheureusement pris une toute autre tournure. Il y a quelques mois, elle faisait parler d'elle avec la sortie de son livre Résilience, une autobiographie dans laquelle la chanteuse revenait sur de terribles moments de sa vie, comme l'inceste dont elle a été victime lorsqu'elle était plus jeune. Dans une interview accordée à Téléstar en juin 2021, Ophélie Winter était revenue sur les raisons qui l'ont te poussé à mettre à plat un tel secret. « Quand j'ai commencé l'écriture de Résilience, je ne voulais pas en parler. Mais avec le mouvement hashtag MeToo, je me suis finalement dit que le moment était venu. J'attendais que mon oncle et ma grand-mère meurent. Je n'avais pas envie de cacher certains aspects. Ce n'est ni une honte, ni une faiblesse. J'en ai d'ailleurs parlé à mes proches et aux hommes qui ont partagé ma vie parce que ça m'a vraiment perturbé », avait-elle déclaré. Un soutien de taille, un passé douloureux qui n'a pas toujours été facile à gérer pour Ophélie Winter. En plus de cette histoire personnelle très forte, la chanteuse a dû faire face à de nombreuses critiques tout au long de sa carrière. Des critiques injustes selon le photographe Jean-Marie Perrier, qui cachait en réalité, de la pure jalousie. Ce lundi 12 décembre 2022, l'ami des stars a posté un nouveau cliché sur son compte Instagram sur lequel il dévoile une photo inédite de la chanteuse, en tenue de boxe et en a profité pour saluer le courage de l'artiste qui n'a pas été épargné dans les années 1990. « Nous avions imaginé avec plusieurs artistes ce qu'il ferait le premier jour de l'an 2000, pour Ophélie c'était de suivre ses cours de boxe pour continuer à lutter contre tous ces gens qui lui en voulaient d'être belle, gaie, douée et heureuse de vivre, ce qui est le meilleur moyen de se faire descendre en flèche par tous les envieux, qui comme chacun sait, sont extrêmement nombreux à partir du moment où vous avez le culot d'avoir du succès. Un bel hommage. Pour découvrir la publication de Jean-Marie Perrier, si est ici.